una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Non, Alexandre, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas que tu continues à m'embrasser. Et pourquoi? Tu as peur de devoir admettre que tu es amoureuse? Non, je m'inquiète beaucoup pour ma mère. Mais rassure-toi, je vais m'occuper d'elle. Je veux qu'il n'y ait aucun doute dans ton esprit, je serai toujours là pour toi. Écoute, je sais que tu n'accorderas aucune importance à ma situation économique. Alexandre, tu dois comprendre que je suis toujours la mère. Je suis conscient que personne ne peut changer du jour au lendemain. Mais Ruby, moi je t'accepte comme tu es. Avec tes qualités et avec tes défauts. Je me demande si toi de ton côté, tu es prête à m'accepter, moi aussi, comme je suis. Veux-tu de moi à tes côtés? Oui, allô? Howard, ravi de t'entendre. Je t'appelle pour te dire qu'il est inutile que tu viennes à New York. Pourquoi? Parce que le projet a été annulé? Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une autre affaire en perspective. Et cela va m'obliger à aller à Mexico. Donc, nous allons pouvoir nous rencontrer là-bas. Ah, c'est parfait. Je me ferai un plaisir de te présenter à ma future épouse. Oh, épouse? Oui, j'épouse Maribel et nous allons venir habiter à New York. La manière que tu as de me regarder quand tu m'embrasses. Ruby? Je t'ai cherché partout. Comment va ta maman? Oh, désolée, pardon, je vous ai interrompu. Non, ne t'en fais pas, Maribel. Je te remercie d'être venue. Oui, merci de venir soutenir Ruby. Je vais voir le docteur Bermudez. On se retrouve après. Nous devons terminer cette conversation. Je vous abandonne. Oui. Oh, je m'en veux, je suis tombée au mauvais moment, hein. Non, c'est pas grave. Viens, on y va. Oui. Monsieur Trevino m'a dit de te prendre à l'essai pendant un mois. Je vous suis reconnaissant. Je n'ai que peu d'expérience dans cette branche, mais je prends des cours de publicité et de merchandising. Oui, mais il y a d'énormes différences entre la théorie et la pratique. Tu vas très vite t'en rendre compte. Merci. Je suis tout à fait prêt à apprendre. Ça, je vous le garantis. Vouloir apprendre ne suffit pas. Il faut aussi avoir du talent. Un bon contact avec les gens et par-dessus tout, bien présenté. Donc, je te demande à partir d'aujourd'hui de mettre un costume et une cravate, d'accord? Merci. Ils ont découvert qu'elle avait un petit caillot sanguin au cerveau. Et si on s'en occupe pas, elle pourrait faire une hémorragie cérébrale. Je suis tellement navrée. Inutile de te préciser que tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive, bien sûr. Merci. Et toi, comment tu vas? Eh bien, j'ai discuté avec Elisa et ce que tu m'as raconté est tout à fait vrai. Mais elle sait que c'est moi qui te l'ai dit. Elle sait que je suis au courant. Non, évidemment que non, mais j'ai dû lui parler pour savoir ce que je devais faire. Au premier abord, j'ai eu une grosse frayeur. J'ai cru que finalement mon mariage avec Hector ne pourrait jamais être célébré. Elle t'a dit qu'il n'aurait pas lieu? Non, elle m'a assuré qu'il m'adorait et qu'il était vraiment décidé à aller jusqu'au bout. Il m'épousera avec ou sans l'accord de son parrain. Mais Hector est certain qu'il réussira à lui faire changer d'avis. C'est pour ça qu'il ne m'en a rien dit. Oh, mais c'est formidable. C'était pas parce qu'il manque de confiance en toi, tu vois? Non, il voulait seulement m'éviter de m'inquiéter pour rien, comme tu me l'avais dit. Bon, tant mieux. Mais essaie tout de même de convaincre son parrain, parce que sinon tu risques d'avoir constamment quelqu'un qui dit du mal de toi, Hector.
Elisa est certaine que je finirai par la m'adouer un jour. C'est parce que tu as de la chance, Marie-Belle. C'est grâce à toi que j'ai réussi à parler avec elle. Et je t'en remercie beaucoup. J'ai une dette envers toi. Tu es une véritable amie. Et même plus que ça, ma sœur. Terminé mon service et je voulais faire le tour de l'hôtel tout entier pour le connaître sur le bout des doigts. Je veux me souvenir du visage de tous les employés pour éviter de les confondre avec les clients à l'avenir. Et je peux t'accompagner? Pourquoi pas? Ruby, j'ai cru sentir une sorte de gêne entre Alexandre et toi. Je t'ai dit la vérité à propos du parrain Lector et je vais encore le faire parce que je ne supporte pas du tout les mensonges. Si je suis un peu en colère contre lui, c'est précisément parce qu'il n'a pas été sincère avec moi. Comme pour le dîner à Vallée de Bravo, je ne sais pas combien il a dépensé, mais je suppose qu'il a dû faire des folies avec sa carte de crédit. Non, 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 il n'a rien dépensé, c'était un cadeau de... D'après ce qu'elle nous a dit Marie-Belle, j'ai l'impression que son mariage va coûter un sacré paquet. Et ton orthopédiste, là, il va en faire autant? Bon, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, d'accord? Si je demande, c'est uniquement pour savoir, pour pouvoir partager un peu ton bonheur. Avec ton fichu caractère, je suis curieuse de voir combien de temps il va te supporter. Je ne comprends toujours pas comment tu as fait pour lui mettre le grappin dessus, il est tellement gentil. À mon avis, il aurait mieux fait de tomber amoureux de Christina. Je viens voir si vous avez besoin de quelque chose. Tout en sachant que vos filles s'occupent très bien de vous. Oui, c'est vrai. Toutes les deux m'aiment beaucoup, mais elles le prouvent de manière différente. Et Ruby? Elle est repartie à la maison. Vous aviez prévu de venir retrouver Ruby ici? Non, 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 à vrai dire non. J'espérais seulement la revoir plus tard. Je suis désolée, elle ne nous a rien dit avant de s'en aller. Bon, je vais aller arroser les fleurs. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous laisser vous reposer. Alexandre? Oui. Vous pourriez parler à Ruby à propos de votre différend? Oui. Je l'ai déjà fait, les choses vont mieux, je crois. Ah, c'est formidable, c'est ce qui me semblait. Je vais vous confier un secret. Je vous écoute. Elle était absolument ravie quand elle a vu vos fleurs. Donnez-moi donc 100 grammes de piment, s'il vous plaît. De vivre un véritable rêve. Je ne veux pas me réveiller. J'espère que le charme de cette soirée ne se rompra jamais. Et moi, j'espère que tu ne cesseras jamais de m'aimer. Quand je pense que cette soirée était pour Marie-Belle. Je suis convaincu qu'Alexandre va vraiment aller très loin, en dépit du fait qu'il ne soit pas riche. J'ignore si ma fille vous a déjà dit que Paula allait vous accompagner à New York. Oui, et j'en suis heureux parce que Marie-Belle se sentira mieux si vous lui tenez compagnie. Vous voulez dire que tous vos projets vont se dérouler comme vous le pensiez? Bien sûr, pourquoi posez-vous la question? Paula, ne me dites pas que vous avez décidé de ne pas y aller. Wow, non! Non, au contraire, j'ai commencé à suivre des cours de langue. J'irai partout où Marie-Belle ira. Pardonnez-moi pour ce retard. Ma chérie, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller à l'hôpital rendre visite à la maman de Ruby. Je l'ai saluée de ta part. Merci. Chérie, ton fiancé est d'accord. Il trouve que je devrais partir à New York avec vous deux, puisque tout va pouvoir se dérouler comme prévu, n'est-ce pas? Paula est vraiment excitée à propos du voyage. Je disais à ton père que mes parrains et ma reine comptaient venir dîner ici demain soir. Tes parrains et ma reine? Oui, je sais que ça peut paraître précipité, mais comme je devais aller à New York dans quelques jours... Tu n'y vas plus ?
Pour le moment, ce n'est plus nécessaire parce que Howard vient à Mexico. Mais puisque c'était prévu et que c'était mon parrain lui-même qui l'avait suggéré... Qui est-ce ? C'est moi, Alexandre. Entre. Merci. Pourquoi tu ne m'as pas attendu à l'hôpital ? Parce qu'on ne pouvait pas parler librement. Ruby, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Non, 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 Alexandre, non. Je comprends que tu sois inquiète par ce qui est arrivé à ta mère, mais elle sera remise sur pied bientôt. C'est pas ça, je pense pas à ma mère, je pense à moi. Je suis jeune et belle. Et j'étouffe complètement dans ce quartier minable. J'ai pas mérité de vivre ici. Tu n'y resteras pas longtemps. Je mérite mieux, Alexandre. Je mérite beaucoup mieux qu'un appartement ringard dans une HLM pourrie. Tu entends ? Je veux vivre dans le luxe, comme Maribel. Je veux avoir des tonnes de choses plus qu'elle. Nous pourrons avoir tout ce que tu désires, mais tu dois comprendre que ça prendra du temps et des efforts. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'attendre, moi. Et toi, tu ne peux pas m'offrir ce que je veux. Ruby. Je maudis le jour où tu as osé me faire croire le contraire. Si tu me maudis, c'est parce que tu es tombée amoureuse. Parce que tu m'aimes aussi désespérément que moi, je t'aime. Je suis heureuse que tu te sois réconciliée avec Hector. Je savais que tu reviendrais sur ta décision. Mais... tu sais, je pense toujours que cette demoiselle n'est pas la femme qu'il lui faut dans la vie, chérie. Mais lui est convaincu du contraire. Il ne me reste plus qu'à le soutenir. Tu es une telle tête de lard. Mais tu ne l'es pas suffisamment pour risquer de le perdre. Non. Sais à quel point tu l'adores. Et je t'adore aussi. Je n'aime pas quand nous sommes en colère l'un et l'autre. Moi non plus, Gennaro. Parce que ça me rappelle que je t'aime. Et que j'ai toujours été très heureuse avec toi. Ruby, tu ne peux pas nier que tu m'aimes. Oui. Je t'aime. Mais ça ne suffit pas. Je vais t'oublier, Alexandre. Tu es prête à me rejeter à tout jamais pour épouser quelqu'un qui a de l'argent, c'est ça ? Oui. Je ferai tout ce qu'il faudra pour vivre la vie que j'ai méritée. Je sais déjà que l'amour ne suffit pas à tes yeux. Mais si tu préfères oublier l'amour pour l'argent, tu ne seras pas heureuse. L'amour, Alexandre, est-ce qu'il existe de plus cher au monde ? Et comme ça ne sert à rien de continuer à en parler, va-t'en. 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 Tu m'entends ? Va-t'en. Va-t'en. Regarde-moi. Si tu romps avec moi, ce sera pour toujours. Mais tu ne comprends pas. C'est exactement ce que je veux. Tu vas totalement gâcher ta vie. Tu vas totalement sacrifier notre bonheur à tous les deux pour ton ambition. Lâche-moi. Va-t'en d'ici, fiche-moi la paix. Je suis sérieuse, Alexandre. Ne me touche plus jamais. Tranquillise-toi. Je ne te toucherai plus jamais, tu m'entends ? Plus jamais. J'aurais pu te chérir et t'aimer pour toujours. Toute ma vie, je me serais battu pour pouvoir t'offrir tout ce que tu as toujours désiré. Mais toi, tu as préféré anéantir cet amour. Arrête de parler d'amour. Ce n'est rien de plus qu'une illusion vaine et stupide sans laquelle on ne peut survivre. Je me rends compte que je suis tombé amoureux d'une fille qui n'en vaut pas la peine. Je te jure, je ne verserai
Jamais une seule larme pour toi. Jamais. Jamais, tu entends? Jamais. Et qu'est-ce que tu as fait pour te réconcilier avec ton parrain? Eh bien, nous avons parlé. Je lui ai fait comprendre que je devais vivre ma vie. Je croyais pourtant qu'il était en colère parce que tu n'allais pas l'aider dans son entreprise de construction. Oui, mais j'ai accepté de travailler un peu avant notre départ. Victor, votre dispute n'avait pas d'autre raison. Chérie, je suis consciente d'avoir été coupable en ne te parlant pas de mon handicap dès le départ. C'est du passé, mon ange. Nous en avons déjà parlé. Je sais. Et ce jour-là, nous nous sommes promis de ne plus jamais nous cacher quoi que ce soit. Tu as raison. Et la vérité, c'est que mon parrain a vraiment du mal à accepter ton infirmité. Il se fait des idées totalement fausses à propos de ta jambe, mais il a fini par accepter que je t'aimais. Je peux t'assurer qu'il n'y aura plus de problème avec lui maintenant. Crois-moi. Je te crois. Tu ne sais pas à quel point ça me soulage que toute cette histoire soit réglée, mon chéri. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comment ça? Je ne comprends pas. De quoi veux-tu parler? Le docteur Rivera m'a posé je ne sais combien de questions avant de me faire passer tous ces examens. Vraiment? Et quel type de questions? Eh bien, il m'a demandé encore une fois s'il y avait déjà eu des maladies graves au sein de notre famille. Mais tu n'as vraiment aucune raison de t'en faire, maman. C'est fini, tu vas bien. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai suffisamment de temps encore pour vous aider, toi et Ruby, à choisir le bon chemin, quoi qu'il arrive. Tu auras largement le temps pour le faire, mais ne pense pas à ce genre de choses maintenant. Christina, écoute-moi bien. Si jamais je devais vous quitter, je voudrais que ta sœur et toi restiez proches. Fais-le pour moi. Ne la laisse pas seule. Oui, maman, d'accord. Oui. Je te le promets. C'est terminé, Marc. Même si je l'aime toujours autant, et que je la désire, même si ça me rend fou quand je pense encore à elle, et à ses caresses, et à ses baisers. Jamais, jamais, je ne retournerai avec elle. Je n'y comprends rien. Elle t'aime aussi, pourtant. Si elle m'aime, elle m'aime moins que le fric, Marc. Parce que figure-toi que le pognon, c'est tout ce qu'elle veut. Bon, allez, avale ça. Bois avec moi, s'il te plaît. Lève ton verre à la femme dont l'ambition dévorante m'a totalement détruit. Alexandre, écoute-moi. Je crois que là, tu exagères. J'exagère? Oui. Si vous vous aimez vraiment, elle finira par changer d'avis et vous vous remettrez ensemble dans quelque temps. Nous nous aimons, oui. Nous nous aimons et elle ressent les mêmes choses que moi. Mais à quoi ça sert de nous aimer autant? Je ne peux pas changer ce que je suis. Et apparemment, elle est incapable de changer aussi. Elle se croit obligée de choisir entre l'amour et l'argent, d'accord? Et elle préfère le fric, c'est tout, c'est ça. C'est ça le problème avec elle. J'ignore quelles sont les raisons qui la poussent à penser comme ça. Mais elle peut changer d'avis. Et qui plus est, tu vas très rapidement te faire un nom, une bonne situation. D'ici quelques temps, tu vas gagner énormément d'argent, ça ne fait pas de doute. Sauf qu'elle veut tout, tout de suite, maintenant. Elle est incapable d'être patiente. Et de partager la vie médiocre que nous serions obligés de mener ensemble avant de réussir. Oui. C'est bel et bien terminé. Mais en tout cas, j'espère qu'elle aura autant de mal à m'oublier que moi-même je vais en avoir. Quand je pense que je voulais l'épouser, je l'aimais sincèrement. Mais avec les ambitions qu'elle a... Non, désolé, je ne peux plus aimer Ruby. Écoute-moi, on ne choisit pas les gens dont on tombe amoureux. Sinon, la vie serait bien trop facile. Et comment vais-je parvenir à l'oublier, à ne plus voir son image? Dis-le-moi, comment ne plus penser à elle jour et nuit? Comment? Vous ne trouvez pas que cette facture est exorbitante? Ma mère ne s'est pas servie de tout ça. Seringues, bandages, gants stérilisés, on ne les a même pas vus. Souhaitez-vous faire une réclamation?
La totalité a été tirée sur la carte de crédit d'Hector Ferrer. Oui, il a lui-même demandé à ce que nous le fassions après avoir signé un récépissé en blanc à la comptabilité. Oui, oui, je sais. De plus, nous vous avons même fait profiter d'une réduction qui est normalement réservée aux médecins travaillant à l'hôpital. C'est le docteur Alexandre Cardenas qui a insisté. Comment ? Il ne fait pas le moindre doute qu'Hector t'adore. Et jamais il ne laissera qui que ce soit ou quoi que ce soit vous séparer. Oui, j'en suis certaine. Et par qui est-ce que tu as découvert ce que Gennaro avait dit ? Par Ruby, j'imagine. Ça, je ne te le dirai jamais, je suis navrée. Rassure-toi, ce n'est pas utile. Je sais que ça ne peut être qu'elle. Bon, oui, je l'avoue, c'était elle. Mais ne va surtout pas lui reprocher parce que je lui suis reconnaissante de sa sincérité. Ruby, sincère ? Oh, je t'en prie. Et moi, je suis Miss Univers, alors. Je ne trouve pas ça drôle. Oh, je suis tellement contente. Permettez-moi de vous débarrasser, mademoiselle. Comment vous sentez ? C'est gentil, je m'en charge. Nous vous avons déjà bien trop mis à contribution. Et bien sûr, je compte sur vous pour remercier à nouveau Maribel. Si mademoiselle veut bien pardonner mon outrecuidance. Vous souvenez-vous m'avoir dit que vous aimiez les fleurs ?